Allez, 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 soulevez-lui les jambes, il faut que le sang circule, allez, allez. Non, ça suffit, lâchez-la, lâchez-la. Ça va aller? C'est trop d'émotion pour elle, elle a besoin de repos. Bon, bah, emballez-la. Enfin, asseyez-la, je veux dire. C'est un travail avec les premières, deuxième et troisième années. En art du spectacle, donc les troisième années, bon, on va dire qu'ils sont quand même les plus aguerris, ont carrément écrit une pièce en quête de justice autour d'un meurtre qu'ils ont travaillé pendant à peu près un mois et demi, deux mois, sur 24 heures de cours avec moi. Hein. C'est un cours qui s'appelle « Du texte à la scène, préparation de spectacle vivant ». Ils ont fait une première étape d'écriture et ensuite ils ont répété avec moi, ils ont joué donc ce soir au Spazio. Les deuxièmes années avec Madame Murcia autour du mariage de Figaro, donc trois scènes, hein, l'acte 1, la scène 7, 8, 9. Et ensuite les ateliers CCE avec Corinne Maté où là je dirais on laisse quand même un champ plus libre puisque ce sont pas uniquement des étudiants mais qui sont inscrits en art du spectacle, mais les étudiants de toute l'université qui, le lundi soir au CCU, sont désireux d'avoir une pratique théâtrale. Le théâtre donc, nécessite de porter la voix, un travail sur le corps, un travail évidemment sur le placement dans l'espace, un travail aussi par rapport à son partenaire, par rapport à l'autre, et un travail par rapport aux contraintes techniques qu'exige une représentation théâtrale. Bah, la finalité, c'est que ça peut... D'abord, ça a été pour certains un premier galon d'essai, qui se produisent, je dirais, sur une scène devant donc un public. Et puis je pense qu'on va réinvestir certaines scènes pour les journées à l'Université Culture, pour les JACES 2018, au mois d'avril, donc dans toute la ville, sur Corté et à l'université. Au second semestre, on repartira pour une nouvelle création collective avec tous les étudiants de l'Université de Corse, c'est-à-dire que ceux qui s'inscrivent donc au CCU Théâtre en temps libre, et les étudiants en art du spectacle qui sont, je dirais, dans un processus de création et d'épanouissement personnel aussi. Prêt, monsieur ? Prêt. Où se trouve la caille, Mr. Swing? Là. Sure. Sûr. Perdu. Elle était là. J'aurais pourtant juré. Vous l'avez échappé belle. Elle était très grosse. Aujourd'hui, on a présenté toutes les scénettes et pièces que nous avons faites dans l'atelier du CCU. Et on les a joués ce soir en représentation devant un public. C'est la première fois que je pratique le théâtre. Et franchement, avec les profs qu'on a et les camarades qu'on a, cette année, franchement, ça a été parfait. On a débarqué en licence art du spectacle. Et il y a notre professeur de texte à la scène qui nous a dit « Venez en CCU Théâtre, voilà, ça peut être sympa ». On y est allé par curiosité. Et dès le premier cours, ça nous a fait kiffer. Et on a continué.